Le bousin, les gars, c'est bonjour à toutes, bonjour à tous, comment ça va Pascal? Ça va et toi? T'es en forme? Ouais. T'es en forme? Bon, ben voilà, on a sorti une guitare, une marque qu'on aime bien. Hein. Bah, t'as bouffé du lion ou quoi? Non, j'ai pas mangé de lion, justement. J'ai pas mangé de lion. J'ai plutôt mangé des sushis. Hein, des sushis. Pourquoi des sushis? Parce que, évidemment, on a la grande marque japonaise. Eh oui, on est parti sur Ibanez. Ibanez. Ouais. Bon, Ibanez, alors voilà, c'est une marque voilà, majeure hein, dans le monde de la guitare électrique et acoustique d'ailleurs, hein, et des basses aussi, hein, voilà. On en parle souvent dans l'émission, mais là on s'est dit, tiens, celle-là, elle a vraiment une vraie gueule. Ouais, bah ouais, hein? Ouais, quand on l'a repéré sur le nouveau catalogue, on s'est dit, oh voilà. Là là, dis donc. Alors regarde un peu, regarde un peu. Déjà, elle a une couleur magnifique. Oui. Franchement. Et puis elle nous rappelait une petite guitare qu'on a tournée déjà et qu'on a bien aimé aussi, la Jiva 10. Ah, parce oui. Que, bah regarde, vas-y, mets-la un peu à l'horizontale. Ouais, regarde comment elle est toute fine. Non, franchement. Elle est hyper fine cette guitare. Et puis regarde ce manche, les mécas, blocage, la totale quoi. Attends, je retourne parce qu'on n'a pas tout vu. Regarde. Mais évidemment. Corps. Le système Floyd Rose Ibanez, enfin Floyd Rose. Oui, Pro Edge. Ouais, bon, ok. C'est l'habitude, tu sais. Le problème, il est là, c'est que. Voilà, c'est comme le frigo, enfin, tu vois bien le frigidaire. Oui, voilà, on arrête là. Ok. T'as vu le manche? Ouais, magnifico, regarde ça. Mécanique blocage, une arme redoutable. Alors, j'adore là les bendings, regarde un peu le boulot. Ah, les mecs, ils bossent, super bien. Bon, dis-moi, c'est fabriqué où, ça? Ben, c'est pas écrit dessus. C'est pas comme le port salut. Non. Ah, c'est écoute, une prestige. Montre-moi ça. Non, c'est une premium, pardon. Premium. Premium. Voilà. Donc, premium, on est sur de l'indo. Voilà. Donc, c'est une indonésienne. Mmh. Une indonésienne, mais les mecs, ils bossent sérieux, là. Hein. Ouais. Sérieux. Bon, là, tu vois, j'étais un peu chargé parce que j'ai choisi une Death Angel. Hein, on connaît, mais bon, je trouvais que ça allait bien parce que, bon, comme on est dans les. On tourne sur la 606. Ça. Voilà, l'Iron Bowl, yes. Qu'on connaît bien, qui est une bonne tête. Franchement, on l'a branché sur un baff qui est juste en dessous 412. Hein. Oui. Bon, regarde comment elle est équipée. Déjà, je vois sur les micros marqué, moi. Regarde ce qu'il y a marqué sur les micros. C'est des micros DiMarzio, monsieur. Les gars, eh oui, des DiMarzio, et puis parle-moi-en, parce que là, j'ai donc... On a un Air Norton en manche, on a un True Velvet en milieu, et un Tone Zone en chevalet. Ça me rappelle exactement la config de la dame Nita. C'est la même chose. C'est la même chose, ouais. C'est tout. Eh oui. Même vibrato, même micro. Oui.
Il n'y a pas les repères en... Même électronique. Non, on n'a pas les repères on en... On n'a pas le... En battement de cœur, là. Battement de cœur, en céphalo, enfin, oui, hein, voilà. Ouais. On a les blocages et les mêmes. Non, c'est une guitare qui ressemble beaucoup. Par contre, bon, la table, je la trouve juste fantastique. Superbe, une Cerulean Blue, que c'est une Cerulean Blue. Et du coup, tu as encore un acajou. Tu peux répéter, s'il te plaît, c'est Cerulean Blue, c'est ça, hein? Non. Cerulean Blue, monsieur. C'est d'accord, ok. Ouais. Non, excuse-moi, j'ai une oreille. Et du coup, on est sur une corde en acajou et une table en peuplier. Ponga ponga, je crois. Ponga ponga. Ouais. Parce que je suis dentiste, alors je peux pas rigoler comme je veux. C'est horrible. Donc voilà. Donc bon, allez, si on faisait un petit tour de ces micros. Yes. Vous allez me dire, ouais, mais John, t'as pas mis la tige. On est tellement fainéants qu'on n'a même pas été les chercher dans le carton. Bah non, comme ça elle restera dans le carton. Voilà, c'est ça. Oui. Ouais. Bon, on va aller voir la guitare sur les sons un peu plus clean. Yes. On peut avec la Round Ball, hein, évidemment. Clean, clean sera jamais un Fender, hein, on est d'accord, mais on va essayer de faire quelque chose un peu plus clean. Donc on va faire un tour sur les micros. Je vais attaquer par mon micro qui est juste ici. Rappelle-moi son petit nom. C'est le Air Norton. T'es chaud là. Mm. Presque, hein. Ouais. Presque que t'es à côté. Hein. Ok. Marche, hein? Mmh. Ça marche, j'ai même baissé du gain sur ma tête pour voir ce que ça donne. Comme ça, moi. Ça marche plutôt pas mal. Bon. Ouais. J'ai oublié de dire, c'est un 5 points. Ouais. Je me promène. Deuxième position. Ah oui. Ouais. J'aime bien là. Central. Bah c'est polyvalent. Hein. Bah ouais, et toutes ces positions là et ces micros HSH, bon, ça t'as un peu toutes les sonorités que tu veux quoi. Regarde ça. C'est ça. Bon, on voit quand même que la petite est bien à l'aise avec des gros sons. Hein. Bon, oui, alors on va reprendre le point de départ. Je pense que l'ADN de la guitare est plutôt sur des gains un peu plus lourds. Ouais. Je pense qu'elle va jamais concurrencer une Strat, une télé, on n'en est pas là, hein. C'est vraiment une guitare, mais on s'aperçoit que ce qui est étonnant dans les nouvelles Ibanez, c'est que avec la configuration des micros, on peut aller faire du truc clean. Par exemple, dans un morceau où on envoie le grave, on sait qu'au milieu, on n'a pas besoin de changer. Ouais, ouais. Voilà, on peut très bien aller avec la guitare où on veut. Bon, comment elle a joué? Ben, c'est une Ibanez. Ben oui. Alors, mange voilà. Bien fin. Mange fin, rapide. Extra plat. Hyper rapide et puis l'accessibilité énorme partout. Bah oui, on va jusqu'en 24 ici. Vous avez peut-être que je joue là. Truc de fou quoi.
me suis entraîné toute la nuit. Donc, bien sûr, blocage de cordes, etc. Il y a un Floyd Rose, comme on rappelle, il n'y a pas la tige, etc. On peut aller dans l'extrême avec la guitare. On peut... C'est vrai qu'elle aime bien. Elle aime bien. C'est pour ça que je vais mettre mon Iron un peu plus comme elle était. Elle aime bien. Voilà. Bon, là, c'est là qu'elle prend tous ses tours, la petite. Hein. Mais, oui. mais encore une fois, elle va pouvoir se promener et dans le monde du métal, hein, voilà, du heavy, hard rock, tout ça. Du hard rock, du rock and roll, ben, un peu aussi. Elle peut faire des sons clean après. Bon, alors voilà, je vais vous dire, faire du BB King avec. Je pense que c'est pas la peine, les gars. C'est pas, elle n'est pas taillée pour ça, la petite. Hein, ils l'ont pas fabriquée pour ça non plus. Non. Mais en plus, elle est très, très belle. Elle est super belle, ouais. Ah ouais, ça, franchement, bah, on connaissait M. Ibanez hein, sur la qualité de ses guitares et le tronche. Mais un peu comme d'habitude, mon petit Pascal, qu'est-ce qu'on a décidé de faire? On s'est dit, oh, bah, dis donc, une guitare, c'est pas assez. Et en plus, maintenant, hein, on a décidé que cette vidéo du vendredi, ah, ouais. C'est la guitare, enfin alors, c'est la vidéo des battles. C'est la battle vidéo. C'est les battles des guitares. Puisqu'on va vous annoncer très bientôt un nouveau format pour Ken. Voilà, il y aura plusieurs formats maintenant par semaine. Mm-hmm. On aura la battle, c'est le vendredi, pan pan, on s'en met plein de blair. Hein. Voilà. Toujours Thomas avec le live du mercredi soir. Ouais. Et il y aura une nouvelle émission le lundi soir à 19h. Qui sera dans un format totalement différent. Ce sera moi et Pascal, évidemment, vous verrez les petits génériques arriver. Et ce sera un format différent de la battle. Voilà, ce ne sera pas de la battle. Non, on présentera quelque chose sur vos demandes, exclusivement. Un peu comme la battle, mais là vraiment, puisqu'on ira piocher avec des sondages. Oui. Hein, donc on ira vous demander, les gars, hey, la nouvelle pédale, machin, vous voulez la voir ou pas? La nouvelle guitare, mais ce ne sera pas une battle. Attention, la battle, et ce sera que le vendredi. Ce ne sera pas deux produits, ce sera un. Voilà. Battle, bam, 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 bam. Bon, ok, ben, on est parti du coup, la battle, on a décidé de mettre la PRS, la nouvelle venue dans la collection, la SE Swampage, regarde-moi. Qui est elle aussi en HSH, pour le coup, tu vois. Bon, la vraie gueule de PRS, quoi, les petits oiseaux, voilà. Les piafs qui se promènent, là, bon, une table, je vous en parle pas, c'est joli aussi, c'est autre chose, c'est un truc différent, c'est plus classique. Ouais. On est sur un corps, du coup, bah, on freine. Trois pièces, hein, évidemment. Là, on n'a pas le foil rose, on a une position 3 points, et on a... On a un split. Split. C'est des médicaments. Ouais, je pense. Va falloir arrêter, hein. Bah non, je peux pas. derrière, c'est très beau. C'est pas mal. C'est très beau. La manche, c'est très beau. T'es sur un manche... Les mécaniques, c'est très beau. T'es sur un manche assez, assez charnu. Bon, et tu sais quoi? Je vais pas la mettre tout de suite en version. Je vais la mettre en version plutôt keep cool. Hein, keep cool, keep cool. Ah, trois positions, donc ça va être assez rapide. Hein. Hein? C'est quelque chose. Bouge pas, bouge pas, bouge pas, bouge pas. Oui.
Bon, tout ce que je veux te dire tout de suite, c'est que là, bon, on est bien chez PRS et que la guitare, elle est capable d'aller dans beaucoup, 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 beaucoup de style. Beaucoup, stop, de style. Ah oui. C'est une guitare polyvalente, bah, comme aussi. Toutes les PRS. Extrêmement polyvalente, jouabilité. T'es sur un gros manche quand même. Ouais, mais je préfère. Bon, ouais, voilà, alors on va y aller, hein, parce que c'est la battle. Hein. Je suis plus à l'aise sur la PRS. Ouais. J'ai plus de matière. Attention les gars, hein, je vois bien, je m'excuse devant les métallus, ceux qui font les musiques. Moi aussi j'aime, mais là, on parle de trucs, de jouabilité directe. Hein, je suis plus à l'aise sur la PRS. Tu vois. Les sonorités, j'étais étonné par la. Par un Ibanez, hein, attention. Mais tu vois, quand je vais. Me servir un peu de la guitare un peu différemment, j'ai vraiment des sons plutôt sympas, quoi, tu vois. Ah, j'aime bien. Bon, l'angle, il tord tout de suite, hein. Ouais, les gars, bah, bon, il n'est pas fait pour ça, hein. Mais c'est pour ça qu'on l'a pris. Voilà. Donc voilà, trois positions et tout. Bon, maintenant, bah, j'ai chargé un peu l'angle, là. C'est ce qu'il préfère dans la vie, hein, de toute façon. Donc, le reste, c'est pas un truc qui l'intéresse de trop. Alors là, j'ai un petit problème sur le bouton. C'est normal. Oh. Bon, elle est présente. Ah, ça marche très bien. Hein. Hein, elle est présente. C'est des micro PRS, hein, qui est dessus. Hein. Oui, des 95S. Ça marche plutôt pas mal, hein, ça. Hein, je veux dire, voilà. Bon, voilà. Je suis plus dedans, moi, dans cette guitare. Hein. Pas du tout. C'est toujours pas. Bon, alors, bref. C'est pas la peine que je fasse des joues, de toute manière, parce que bon, si tu balances les titres juste après, je le voyais arriver, hein, c'est pour ça que j'ai arrêté, hein, donc voilà. En tout cas, c'est une bonne guitare pour le blues. Blues, rock, country, tout ça, parfait, tu vois. Bon, attends, on est d'accord que je reprends un tout petit peu libanaise, sans changer le son, hein. Ouais, vas-y. Et on voit que elle est très bien dans son monde aussi, hein. Voilà, bon, tout de suite, ça mord plus, hein. C'est très très bon, hein. Ouais. C'est très très bon aussi, hein. C'est deux styles différents. Voilà. En fait, on va avoir un côté plus blues rock show avec la PRS, ouais, que l'Ibanez. C'est voilà. Ça, c'est exactement. Rapidité, bon. Précision, tu vois. Autre bon, je retourne un petit coup, mais c'est là, encore une fois, qu'elle va prendre ses tours. C'est là. Voilà. Là, avion de chasse. Ouais, ouais. Avion de chasse. Bon, je parle du prix quand même un petit peu, parce que la petite Ibanez va se balader à 1600 balles. Ouais.
1600 euros. Bah oui. Voilà. Mais ça, franchement, 1600 euros, excusez-moi, indonésienne, avec une vraie gueule. Super bien équipé. Ah oui, non, mais là, une table de ouf, épique, équipé, vraiment, bah, suréquipé même. Même le corps en acajou. Bon. Elle a vraiment une vraie gueule, ouais. C'est presque un avion de chasse, ça fonce comme ça. Et après, j'ai sa copine américaine, mais qui n'est pas américaine, évidemment, la PRS. Elle est indonésienne aussi, celle-ci. Oui, elle vient du même patelin. Elle me dire, elle vient peut-être de la même usine, mais non, je ne sais pas. Non, puisque celle-là, pas du tout. Non, non. Donc voilà, ben écoutez, voilà deux charmantes guitares. Bon. Vous allez me dire, ouais, ça n'a rien à voir, tu as pris une guitare un peu métal, une guitare un peu plus moins métal. Ouais, mais c'est quand même assez proche, hein. Donc les configurations de micro. HSH, voilà, ça permet de voir, enfin de montrer aux gens HSH avec des splits ou 5 positions pour exactement. Les Libanaises. Exactement. Que c'est vachement polyvalent et qu'on se retrouve avec des sonorités plutôt intéressantes, très sympas même. Tu prends quoi, toi? Moi, je partirais bien sur la petite PRS. Okay. C'est plus mon délire que Libanaise, mais Libanaise est quand même... Très belle, hein, franchement. Bah tu vois. Naturellement, je vais prendre la PRS, d'accord ? Ouais. Naturellement. Puisque, ben voilà, c'est comme ça. Et ben je vais me faire violence, moi. Vous allez me dire, oui, c'est pour faire 50-50. Non, pas du tout. Puisque, ben, je n'ai pas de guitare de ce type. Voilà, tout simplement. Je ne suis pas équipé avec ça. Toi, tu crois que tu n'en as pas beaucoup non plus. Non, hein. Non. Eh bien, moi, dans ma collection, elle ferait pas si mal que ça. Et puis, ça permettrait de me mettre à des trucs plus... Ah bah oui. Entre guillemets, plus modernes, plus pour rentrer dedans, hein, etc. Des trucs un peu plus. Voilà. Parce qu'il ne faut pas oublier que la Nita, là, elle joue avec, quand même avec notre Alice Cooper. Donc, c'est du, si ce n'est pas du hard rock... C'est hard rock heavy, hein, ce n'est pas metal, metal, metal. Ce n'est pas metal, metal du tout, mais ah, enfin, ce n'est pas metal moderne, en tout cas. Donc voilà. Et eh bien, moi, tu vois, je prends la petite Ibanez, enfin la petite 1600 balles. Hein. Bon, très ça bien. Fait un partout. Franchement, hein, mon cœur va là. Ouais, PRS, mais hein. Elle va chez moi, celle-là. Mais elle va chez toi. Et puis, moi, je me fais violence, là. Je veux autre chose. Je dis, tiens, est-ce que je suis capable d'aborder une guitare comme ça, avec du high gain, etc., etc., et me faire violence de jouer autre chose, de faire d'autres trucs. Voilà. Eh bien, pour ça, je prends celle-ci. OK. Hein, donc un partout. Et qu'est-ce qu'on fait sinon ? Eh ben, qu'est-ce qui d'abord les gens ils choisissent, hein, qu'est-ce qui leur a plu le plus vous votez. Dedans, tu vois ? Et puis après, bah, ils s'abonnent. Ils s'abonnent pour suivre nos aventures, comme on a pu le dire. Tout le temps. Le vendredi, la guitare, donc les battles de guitare de John et Pascal. Voilà, la fameuse battle. Après, on a Thomas le mercredi avec le Guitar After Work. Hein, c'est le live, en live. À Bordeaux. Et puis, eh ben, la nouvelle vidéo, le nouveau format qui arrive bientôt. Ce sera pour le lundi, et là, ce sera de la vidéo à la demande. Vous allez vous dire, les mecs, j'en ai marre de voir vos tronches. Ouais, alors, justement, le lundi, vous allez avoir des surprises, hein, puisque ça va être un format, comme je vous l'ai dit, comme on vous le dit, différent. Yes. Hein, totalement différent, qui sortira normalement à 19h30 le lundi soir. Vers là, si on est tout prêt. Hein. Donc voilà, donc on en reparle beaucoup, puisqu'on va lancer ça sur les réseaux, etc. Vous verrez les accroches, etc. Ce n'est pas une battle, ce sera du matériel. Voilà. Ce que vous voulez d'ailleurs, hein, et ce sera vous, par vote, voilà. Qui nous emmèneront dans votre monde à vous. On va bientôt. Et pas nous qui vous emmènerons dans notre monde. On va bientôt leur poser la question de qu'est-ce qu'ils veulent voir, et voilà. Bah, la question, elle doit déjà être posée. Bah, c'est déjà posé. C'est déjà posé, vous avez déjà répondu, et on sait déjà exactement ce qu'on va faire. Hein, la pour prochaine. Les deux, pour au moins les deux, trois prochaines émissions. Vous allez voir. Alors, on n'aurait pas donné le titre parce que ça, c'est on vous le garde en réserve, de cette le titre de cette émission du lundi soir. Voilà. Hein. Bon, et bien sur ce, on vous fait des bisous, des gros bisous, et puis on vous dit à la prochaine. À la prochaine. Salut.